Économie sociale et solidaire à Ciutat Vella. Les quartiers de Ciutat Vella ont toujours été animés grâce à l'activité socio-économique des classes populaires. Au milieu du 19e siècle, en réponse à l'exploitation industrielle, des institutions ouvrières firent leur apparition. Elles plaçaient la coopération sociale et l'entraide au cœur de leur activité. Surtout présentes dans la Barceloneta, des coopératives de consommation telles que la Fraternidad, El Siglo XX ou le Centro Cooperativo de Pescadores répondirent aux nécessités d'approvisionnement alimentaire et générèrent des politiques sociales pour ceux qui produisaient tout mais n'avaient rien. D'autres initiatives avaient un caractère productif, telles l'Union de Cooperativas para la Fabricación de Pastas para Sopa, qui en 1930 fabriqua 240 000 kilos de pâtes pour les coopératives associées. De nos jours, avec plus de 500 initiatives de l'économie sociale et solidaire, la tradition coopérative de Ciutat Vella est toujours d'actualité. Une économie au service des personnes est organisée démocratiquement et implantée dans le territoire. Avec un haut degré de responsabilité sociale et environnementale, les coopératives d'art et de culture, les entités de finances éthiques, les projets d'insertion socio-professionnelle, les groupes de consommation agroécologique, les initiatives de l'économie féministe, les alternatives locales, les potagers urbains, les centres de gestion communautaire, tous cherchent à faire de Ciutat Vella un espace de redistribution, d'équité et de démocratie économique.